Bienvenue au jour 11 de nos 12 jours de Noël. Aujourd'hui, je vous propose une carte amusante et toute simple à réaliser avec deux produits de Hero Arts, un ensemble d'étampes avec chemise à gaufrage assortie, ainsi qu'un ensemble de jeux d'étampes et emporte-pièces assortis. L'ensemble de fonds de flocons de neige, tampons et gaufrage de Hero Arts. L'ensemble tampon et découpé bonhomme de neige numéro 2 de Hero Arts. Le jeu d'étampes Snowflake Sentiments de Jillian Vance Design. Un tampon d'encre Distress Ink Evergreen Bow ainsi que le Archival Ink en Jet Black. Deux crayons feutres de Tombow, un orange et bleu pâle. Un glitter liner de couleur Ruby, c'est la couleur 400 de Viva Decor. Du Glossy Accents ainsi que des carrés en mousse. Une pièce décorative de Dress It Up qui s'appelle Holly Jolly Christmas. Un carton vert qui s'agence avec la couleur Evergreen Bow du Distress Ink. Et le carton mesure 4¼ par 11 que j'ai plié à la ligne du 5,5. Une bande du même carton vert Juniper qui mesure 1 pouce par 4¼. Un carton blanc de 4 par 5¼. Et un deuxième carton blanc qui mesure 5,5 par 8,5. Pour l'arrière-plan, j'ai l'étampe des flocons de neige ici près sur un bloc en acrylique. Et je vais prendre l'encre Evergreen Bow. Et je vais prendre mon papier, mon carton blanc, je vais le déposer sur l'étampe directement. Et je prends le bouillon pour faire une pression sur l'étampe. Je vais m'assurer que toutes les images soient bien transférées. Et maintenant, avec la chemise pour gaufrage, je vais enligner les motifs. En fait, c'est comme ça ici. Je vais enligner les motifs avec les images du dessus. Comme ceci. Je vais passer ça dans mon système de coupe. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, on a non seulement une image étampée, mais également les flocons soulevés. Alors, si je tourne mon papier et que je me rapproche, vous allez voir le relief. Je vais maintenant étamper les composantes du bonhomme de neige. Donc, j'ai le corps, les deux bras, le chapeau et le foulard. Évidemment, le visage va être étampé par-dessus cet endroit ici. Alors, je n'ai pas besoin de le découper. Et j'ai également omis les feuilles de houx parce qu'on va servir de quelque chose d'autre pour décorer le chapeau. Alors, je vais prendre l'encre Archival Ink noire. Si vous avez un carton blanc texturé, je vous conseille d'utiliser le côté lisse pour avoir une meilleure impression. Je vous conseille de donner une pression un peu plus forte sur le chapeau. Je vais maintenant rajouter les emporte-pièces et sécuriser avec un ruban décoratif de style washi. Je vais passer dans mon système de coupe. Je vais maintenant étamper le visage du bonhomme. Avec le marqueur orange, je vais évidemment colorier la carotte. Et avec le crayon bleu pan, je vais juste faire deux lignes très minces.
Je vais étamper le souhait sur la bande de 1 pouce par 4 et 1 quart avec l'encre Archival. Et je veux le souhait complètement à la gauche. On peut maintenant assembler la carte. Je vais plier mon carton en deux. J'ai le morceau de carton blanc qui a été gaufré. Alors, je vais l'ajouter avec un adhésif double face. J'ajoute également le souhait avec l'adhésif à double face. Et je vais mettre vers le bas. Environ, je vous dirais, un demi-pouce du bas peut-être. Notre bonhomme de neige va être collé avec des points mousse. Le chapeau également avec des points mousse, seulement vers le haut. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les points mousse directement sur la base de la carte. Et je vais rajouter un peu d'adhésif vers le bas. Le foulard avec l'adhésif double face. Je vais coller les bras avec un point mousse que je coupe en deux. Et je vais ajouter le point mousse vers les doigts. Et je vais ajouter un petit peu de Glossy Accents sur les branches. La raison, c'est que les doigts vont être collés sur la base de la carte et la branche va être sur le corps du bonhomme. Je vais rajouter le Glossy Accents sur la branche du bras. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Je vais mettre un ici. Et l'autre côté. Pendant que j'y suis et que j'ai mon Glossy Accent, je vais coller les feuilles de houx. Évidemment, elles vont être collées sur le chapeau. Je suis en train de me demander de quel côté. Ici. Comme ceci. Maintenant, je vais rajouter le Stickles vert sur le foulard. Évidemment, il va avoir un temps de séchage. Et je vais rajouter du glitter liner rouge sur la bande du chapeau. Et au bout du foulard. Voilà. Il est rigolo, notre petit bonhomme de neige. C'est joli. C'est une carte simple, c'est une carte qui est facile à réaliser parce que finalement, il n'y a pas de découpage à faire, tout est fait par les emporte-pièces. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme à l'habitude, laissez-les ci-bas. Et je vous reviens demain pour la dernière journée. Bye bye!